C'est bien. Ça va là-bas? En haut, ça va? Génial. Les bacs plus 12. Je suis très heureux d'être ici, mesdames et messieurs, pour faire la première partie de Gloria Gaynor. Comme vous savez tous, je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait la première partie du spectacle de Gad, mon idole. Et franchement, ça a changé ma vie. D'abord, ma mère, ça m'a rendu tellement fier. Ma mère, que depuis que j'ai fait la première partie du spectacle de Gad, elle n'arrête pas de dire aux gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, elle est facile, ma mère, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Gad, il allait à faire la deuxième partie du spectacle de mon fils. Que Dieu me la garde le plus longtemps possible, ma mère. Et puis quand je pense aussi, quand j'étais petit, que je faisais une bêtise, ma mère me sentait toujours cette insulte purement marocaine qui disait « C'est un dernier que je fais pas de là. » Je pense que Dieu l'a écouté, hein. Aujourd'hui, je suis le seul souvent qu'elle soit jolie. Ça me fait plaisir d'entendre des applaudissements, très sincèrement, parce que c'est pas facile pour un Marocain de faire rire le Marocain. Parce qu'un Marocain, quand tu vas voir un spectacle d'humour, c'est pour voir si l'humoriste est plus drôle que lui. Je te jure, avant-hier, j'avais un gala, personne n'a applaudi, personne. Il y avait une seule personne qui applaudissait pendant 15 minutes, c'était genre super excité. Bravo! Tu nous as éclaté! C'est pas pour la vie! Quand j'ai vu qu'elle avait exagéré, j'ai dit ma mère, j'arrête le danse. C'est incroyable. Avant d'arriver à Rabat, mesdames et messieurs, j'étais à Marrakech pour jouer le spectacle. Et j'ai remarqué qu'à Marrakech, c'était des dragueurs tout terrain. Super dragueurs tout terrain. Genre, ils n'ont pas des critères. Hein. Que la fille soit belle, moche, médium, large, X large, double X large, X large, small, elle passe. Même une femme voilée. Tu veux une femme voilée dans la salle? Même une femme voilée. J'étais sur un peu de belle vie là. Même une femme voilée qui attendait un taxi. Il y a un mec qui s'est pointé devant elle sur un grand pervers qui l'a regardé et lui a dit. Ouais, j'ai vu le film dans le champ. On va dire, je suis tout le temps avec mon stock. Ça, c'est une règle entièrement pigidiste. Monsieur Bouguera, il est là ou pas? Et il va là, c'est dommage. On n'a pas réalisé le festival pour lui. Gloria Gaynor, on va rentrer en juste avec deux pièces. Et je voudrais vous applaudir chaleureusement toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ce festival qui nous rassemble tous ici ce soir. Voilà. Je voudrais bien que vous puissiez vraiment, je voudrais montrer pas du tout. J'ai entendu dire que bientôt il y a un ministre qui a dit que les cours de médecine en Maroc seront dans une déjà. Avec une terminologie médicale marocaine. Maintenant, j'imagine juste le prof de médecine qui rentre à l'amphi, qui dit aux élèves, c'est vrai, les gars, j'aimerais le travail, non, ça va, ça va. On donne le travail, la bim, se met au bout, se met au bout, se met au bout. Ben, t'as le sang à des Zéidans. Oh, Marley. Non, on dirait la science ferme ta gueule, hein. C'est pas une personne qui se réveille au milieu de la nuit, et qui est inconsciente et qui marche vers une porte, on dit qu'il est somnambule. Au Maroc, on dirait la science ferme ta gueule. T'as pas marché. Les animaux font partie de notre langage, beaucoup, vraiment. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Quelqu'un qui est énervé, tout ça, qu'est-ce qu'on t'a appelé, frère. Tu veux pas parler d'un sujet qui te dérange, donc je lui dis que je l'ai. Vous regardez la télévision marocaine ici dans la salle? Non. Pourquoi? Vous savez, c'est une série mexicaine qui nous passait avant la télé, on a la classique. Aujourd'hui, c'est une série mexicaine, on s'est traduit tout déjà, vous êtes au courant. Hein, c'est fini maintenant l'époque où Rodrigo disait les douze animateurs, les douze. Les meubles, les fillettes. La date pour tout le monde, c'est bien dans Rodrigo, et les douze, où t'as la tête dans Rodrigo. Donc là, il y a qu'il y a les douze. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est une série mexicaine, ils sont traduits tout déjà. C'est excellent. Mais il manque un truc, les accents. Vous imaginez avec Marlon de Gégo Fessia. Allez, tout ça! Allez, tout ça! Mais c'est des étapes de m'habituer! Ça, c'est facile, ça, hein? Et moi, je me suis hâte de mon Gégo, je me suis hâte de mon Gégo! Mais
Le ralentir, je ne sais pas. En une douceur. En une douceur. Nous sommes et nous nous sommes. En une douceur. Et pas arrivé cette balle-là. J'étais à Marrakech, je disais, pour jouer le spectacle là-bas, juste après le spectacle, il y a un technicien de l'équipe qui est venu me voir, c'est un Français. Il m'a dit, mais c'est ce qu'il y a moyen de faire un petit tour à la plage de Methven, je ne connais pas, j'ai envie de découvrir. Je dis, il n'y a pas de problème. On est parti sur la plage de Methven, mesdames et messieurs, et ce soir-là, c'est un détail très important que je vais vous donner. Jean-Yves avait une particularité, c'est qu'il est habillé tout en blanc. Chemise blanche, pantalon blanc, veste blanche, chaussures blanches. Et en plus de ça, il avait les cheveux longs et deux boucles d'oreilles. Un homme, quoi, voilà. Et très sincèrement, je vous le dis, être à Marrakech, sur la plage de Methven, avec un Français habillé tout en blanc, les cheveux longs, les deux boucles d'oreilles, ça m'a mis dans la merde. La première chose qu'on a fait, on s'est arrêté chez les gars qui font les jus d'orange, là, on a commandé deux verres de jus. Et le gars, pendant qu'il pressait le jus, s'est mis à regarder Jean-Yves d'une manière que vous la décrire. Comme Roméo regardait Juliette dans Roméo et Juliette. Juste genre. Et à un moment donné, il s'est retourné avec moi et il m'a dit, oh, mais il est. Mais là, c'est bien la souris. Où est-ce que tu es un bras de j'adore comment on est dans la chine. Vraiment, j'ai toujours l'impression que c'est un sandwich dans la bouche, tu sais. Oh, mais t'as fumé les mouches, tu chines, j'ai envie de tourner les mouches, Le maintien, le vrai quiétude, c'est pas de gagner de l'argent, non. C'est comment tu es le temps. Sur la plage, j'ai vu un gars qui avait 20 béniers. Et comme on est 20 béniers, on est 20 dans notre équipe. Je lui ai demandé de me donner les 20 béniers qui là. Mais où je peux fumer un de baisse. Vous avez été au milieu, je suis. On va tout le monde te donner. Il y a une plaine d'ailleurs. Ou un expiré. Même score, même score. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle ce soir, c'est vrai? Ouais, je veux qu'on applaudisse toutes les femmes qui sont là ce soir. Ouais, j'allume la salle. Une fois dans mon spectacle, je dis à la vie, j'allume la salle, j'ai envie de voir le public. Il y a une femme qui a crié, non, je suis pas maquillée. Je sais pas pourquoi, mesdames et messieurs, c'est présent dans la salle. Pourquoi tous les mecs, lorsqu'on vous fait une déclaration d'amour en français, vous trouvez ça romantique, vous avez le cœur qui palpite, les yeux qui brillent. Mais si jamais on vous l'a fait, déjà, vous êtes choqués. Pourquoi? Mais entre vous et moi, c'est vrai, on est déjà, ça fait pas trop, je dis ça, parce qu'il y a quelques temps, j'étais dans un café assis pas loin d'un couple, et il était habillé en gilet bleu. Lui, en une chemise normale. Et à un moment donné, il lui a pris la main, il l'a regardé amoureusement, il lui a dit, « After Quinton. » Ben, si l'homme, tu dis que tu peux te créer oriental tout bas. L'insé, bien sûr, on a tous deviné qu'il s'agissait du sirène. Sauf que, elle, hey, autre homme, il m'a dit, la baleine. C'est très bien d'être en couple, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est très très bien. Moi-même, je suis en couple. C'est très bien pour la santé, la preuve. Depuis que je suis avec ma copine, je n'ai plus de problème de constipation. Elle me fait chier tout le temps. J'aimerais à présent, mesdames et messieurs, vous parler d'un métier qui n'existe qu'au Maroc. Une gaffe. Ça, c'est un métier qui n'existe qu'au Maroc. Jamais tu trouveras aux États-Unis une gaffe dans une église qui s'appelle Gloria, qui ne gaffe en anglais, genre la rue, ça veut non. Ici, une gaffe qui, jusqu'à ce que les tampons des lignes d'éthique, tu vois, et le concept est simple, c'est une femme avec une fortune pour pas faire. Pour crier. Mais pour crier quoi? Pour crier ce que vous et moi, on prend à haute voix. Finis! Vous avez l'habitude, hein? Ce serait bien qu'il nous crie un truc qu'on n'a pas vu, genre. Ça, c'est bien. Moi, fille, j'étais invité à mariage, je savais pas où se trouvaient les toilettes. Je suis parti voir le gars, il a fait les toilettes. Elle m'a dit, oh, yo! Je suis rentré aux toilettes et je suis sorti, elles étaient quatre.
bien ma voisine, vraiment, parce que j'aime beaucoup la musique marocaine, la musique occidentale, américaine aussi. Et ça m'a inspiré sur Tarab El Ben aussi. Je jure, ça va être comme ça. Oh, oh, Marie, oh, Marie, si tu savais tout le mal que tu m'as fait, que tu m'as fait, que tu m'as fait. Sachez bien, n'importe quoi. Franchement, parce que bientôt, parce que Gloria elle est là, elle est en train de chanter sa voix. Gloria c'est l'équivalent de Hedj Sharif Daouia ici. J'adore les paroles de Hedj Sharif Daouia. Vous avez remarqué, il y a des chanteurs marocains qui chantent des trucs en arabe, mais nous on ne comprend pas, ça ne veut même pas passer dans notre langage. Iniha, iniha. Ça veut dire quoi ça? J'ai déjà croisé quelqu'un dans l'autre, je dis ça, ça va? Ou Adam, iniha. Iniha. Il faut pas ramener ça. Franchement, j'ai envie de finir sur une bonne note. Il y a des gens qui veulent boycotter ce festival, qui me tient vraiment à cœur, vraiment. Alors qu'il y a des choses plus graves qui se passent et qui se disent aussi, mais à eux, on leur dit rien du tout. Exemple, les Zimzimi. Oui, on lui dit rien. Bientôt, on fera un festival de l'Ikrisso. Oui, on lui dit rien. Le festival qui permet de détendre un peu les gens, non. Ici, mon Christo, c'est bien ça. Les 40 du monde entier qui vont venir en Europe, ça va être excellent. Merci, mesdames et messieurs, du fond du cœur. Je suis un humoriste en tant que construction. Et merci de soutenir, parce que merci à vous de soutenir les talents marocains. Merci, merci mille fois, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime.